Tous mobilisés contre la poliomyélite. Issue de la plateforme sociale développée par l'UNICEF, UriPort, plus de 300 jeunes sont mobilisés pour sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination contre cette maladie, et ce, au travers de la caravane UriPort. On fera des sensibilisations sur elle, à travers la caravane. Nous sommes descendants dans les différents quartiers, essayer de sensibiliser dans les marchés, les établissements qui sont déjà en période d'inscription. Organisé avec la collaboration des partenaires de l'UNICEF, notamment le Rotary Club, l'Organisation mondiale de la santé et la direction de la coordination du programme élargi de vaccination, cette caravane vise également à contribuer à la promotion des bonnes pratiques de santé infantile à travers la sensibilisation au suivi régulier du calendrier de vaccination auprès des populations des communes d'Abidjan, notamment la vaccination contre la poliomyélite en vue de son éradication totale. Alors, avec les UriPort et les différents districts sanitaires dans ces localités-là, je dois avoir l'occasion d'accompagner les districts dans leur travail, dans leur élan de sensibilisation, amener les populations vraiment à faire vacciner les enfants contre la poliomyélite. C'est une maladie des mains sales. Nos enfants jouent. Derrière les personnes, les mains, ce sont des enfants. Ce n'est pas comme une grande personne. Quand elle vient, c'est qu'elle doit se laver les mains. Eux, ils jouent, ils portent la main à la bouche. Ils portent comme ça le microbe à la bouche. Et le microbe va attaquer le système nerveux des enfants. Je vous demande d'aller les pieds d'accord. Quand vient les bras de vos parents. Donc, pour éviter tout ça à nos enfants, nous organisons des campagnes. C'est parce qu'on s'est rendu compte que dans l'environnement, nous avons ce microbe-là qui circule. Du 5 au 8 septembre, la caravane a sillonné toutes les communes d'Abidjan ainsi que Songon et Anyama. À savoir que plus de 8 millions d'enfants de 0 à 5 ans étaient visés par la campagne nationale de vaccination qui s'est déroulée du 6 au 9 septembre.